On va regarder qu'est-ce qui s'est passé du côté là. Oh putain, oh oui d'accord. Oh le contact. Oh le contact, il est tellement violent. Comment on se retrouve? Je vais péter mon crâne, il y a tout le monde qui est à l'arrêt, il y a tout le monde qui fait des demi-tours. Qui me laisse la place? Oh là là, le deux fronts, allez. Oh il est à l'envers. C'est fini pour Sainz. Yo, what's up les amis, j'espère que vous allez bien. Non, vous ne rêvez pas, regardez bien, on va faire une course de Monaco en last of first sans aucune règle. C'est-à-dire, c'est méga simple, le but pour les pilotes, c'est de prendre les murs et littéralement d'essayer de longer un maximum de murs pour essayer d'aller le plus vite possible. À savoir que des fois, il peut y avoir des crashs comme vous venez de le voir. Mais là où ça va être très drôle, c'est notamment ce virage où on va être obligé de le prendre en pleine vitesse. Avant pilote, je vous imagine, enfin, vous n'imaginez pas le bordel que c'est. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire et je vous rappelle, je suis en live tous les jours sur Twitch, donc vous êtes carrément les bienvenus. Hein. Allez, bon visionnage. C'est parti pour une course complètement what the fuck. Obligé de faire un last to first en no rules à Monaco, donc il y a aucun règlement, aucune règle, on a le droit de littéralement tout couper. Et bien écoutez mesdames et messieurs, alors déjà comment ça se passait, on va regarder un peu comment les bots le jouent. Regardez, et ça me tue, ils sont là, ils cut tous, vraiment ça va être très drôle, mais ça va être très compliqué du coup de réussir à doubler bah tout simplement les 20 pilotes. Oula, il y a oula sujet de Norris. Ok, il a abandonné la course. Oh, oh man, qu'est-ce qui s'est passé? On va regarder qu'est-ce qui s'est passé du côté là. Oh putain, oh oui d'accord. Oh le contact. Oh le contact, il est tellement violent. Vous avez vu comment le contact est tellement violent? Mais attends, mais du coup là, on est censé faire quoi là? Parce que j'ai plus de voiture, j'ai plus rien. On va continuer. Parce que du coup on a déjà doublé tout le monde. On est combien là? On est 11e déjà. Oh putain de merde. Qu'est-ce que j'ai fait? On va regarder du coup là. Oh what the fuck. Oh le contact. Mais attendez, mais les McLaren, mais les gars, mais c'est quoi cette vidéo? Alors quand je parlais d'une vidéo un peu what the fuck, je pensais pas que la vidéo, enfin la course, allait réellement ressembler à ça avec ce mode, en mode no rules. Parce que du coup on est premier, mais en fait je pense que je peux pas mettre les dégâts. Je mets les dégâts, personne ne finit le tour. Attends, mais il a pris le mur aussi là-bas. Ah mais d'accord, en fait personne, ils prennent tous les murs, les boulets hein. Regardez, tout le monde se prend les murs. Oh là 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 là. Oh la catastrophe. Bonjour, excusez-moi de vous déranger, on est en pleine course hein, les amis. Je sais pas si vous êtes au courant. Et là il passe. Oh il est passé. Oh il est passé le pilote devant. Oh la Mercedes, il est passé les gars. Attends mais du coup il cut tout. Mais là il se prend. Oh là 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 là. Oh mais il a pris le mur d'une violence. Ok les gars, on retire les dégâts et on y retourne. Il fut un temps où j'étais comme vous malgré tout. La galère, reste un homme debout. Et toi le monteur, tu trouves que je chante bien ou... Non. Bon c'est bon les amis, j'ai retiré du coup les dégâts comme ça. Là on va pouvoir faire vraiment une vraie course. Et du coup en fait on va prendre les murs, on va s'inspirer des murs pour doubler littéralement tout le monde. On y va directement sur l'intérieur parce que je vous rappelle, il n'y a pas de règle hein. Là oh. Totalement, oh putain. Oh putain, excusez-moi, excusez-moi. Oh le trottron. Trop extrêmement bizarre passé entre Hukeberg et Tsud et moi-même. Et du coup attends. Ah oui d'accord, on prend le mur. En fait on est là vraiment, on prend les murs. C'est vraiment une course de no rules. On est vraiment dans une course de no rules. Oh la dinguerie. Attends mais du coup là je dive aussi, on s'en fout. On y va clairement dans un dive. Tiens, prends-toi le mur. On dirait du Mario Kart le truc. Quoi, tout le monde qui est à l'arrêt? Avancez bordel. Ils sont en train de partir en tête les leaders là. Ils sont en train de partir en tête. Bon on est passé 7ème les gars. On est passé littéralement 7ème. Mais du coup les 6 premiers, enfin les 5 premiers sont tellement loin, mais tellement loin. Go 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 go. Oh là là, ils sont toujours bloqués. Oh là là, eh, j'espère qu'on va pas leur mettre un tour. Oh là là, oh le moment du quête. Oh la dinguerie. Oh la dinguerie, on est parti quête. Oh oui d'accord. Oh oui d'accord. Mais la puissance, le contact qui vient de proposer vers Verstappen qui fait le meilleur tour en 1.10.4. Putain mais ils sont tellement plus rapides que moi. Comment il fait pour être plus rapide que moi? Oh bah tiens, comment on se retrouve? Oh la gueule de la course, je vais péter mon crâne. Je vais péter mon crâne, il y a tout le monde qui est à l'arrêt, il y a tout le monde qui fait des demi-tours. Sur demi-tour. C'est pas grave, je te passe. C'est le moment d'y aller. Putain non mais non, je suis bloqué. Avancez les Red Bull. On est en pleine course, bordel. Ok c'est bon. Les gars, je suis passé 5ème. Vous pouvez voir dans le classement à gauche, on est passé 5ème. Mais Hamilton, l'avance qu'il a. Hamilton, regardez comment il est loin, il va finir le tour déjà. Oh la dinguerie. Donc là clairement on doit être le plus rapide possible. On va essayer de ne pas freiner hein, parce que ici ils ne freinent pas eux. Là ici ils le prennent à fond les ballons. Ok. Oh le meilleur tour, j'ai hâte de savoir ça ressemble à quoi le meilleur tour. Mec, il vient de me dive. Attends, vraiment, Verstappen vient de me mettre ça là, vraiment. Ok, DRS autorisé. On va suivre la trajectoire de Verstappen en fait. Verstappen, il a l'air d'avoir une bonne trage. Attends, mais Hamilton, il a 10 secondes d'avance sur tout le monde. Il faut rattraper Hamilton. Hein. Il faut clairement rattraper Hamilton. Ah ouais, il se prend le mur d'une violence. En fait, il faut que je vais essayer d'apprendre leur trajectoire. Hein. C'est eux les spécialistes du no rules. C'est pas moi, je me connais pas assez, les gars. Même si on en fait très souvent. En live sur Twitch, on se fait des no rules et on s'amuse à se défoncer. Hein. Oh la rapide. Ah ouais, d'accord, mais vraiment, Verstappen, bizarrement, maîtrise très très bien cette catégorie hein, de course. Et Verstappen, pour l'instant, qui est en train d'aller chercher la P5, on le suit. Hein. On le suit clairement. 4, 3 et 2 sont pas très loin. C'est Hamilton vraiment qui est largement au-dessus. Mais on va la rattraper. J'en suis totalement persuadé. Parce qu'on rappelle qu'en plus il y a une stratégie d'arrêt au stand de pneumatique. Il va falloir voir à quel moment on va la faire. Et là on suit Verstappen. Ok, on est plutôt sur un bon tour hein, ce moment, je pense qu'on a proposé. Hâte de savoir on a roulé en combien. Parce que vraiment, vraiment on est sur une course lunaire. Verstappen qui prend le meilleur tour ou pas. Même moi je le prends pas. Une 7.5, j'ai pas le meilleur tour les gars. Ok.
D'accord. Pourquoi pas? On est en train de les rattraper ou pas? 5 secondes 5 du top devant. Oh là là. Et vraiment ici ça fait... Mec, ça me fait même moi le retour de force que je me prends dans le volant, il me fait mal, genre. Tellement que j'appuie comme un zinzin. Est-ce que c'est pas le moment d'y aller sur Verstappen? Est-ce que c'est pas le moment de justement aller faire un dive sur Max Verstappen, mesdames et messieurs? Regardez ça, nous sommes au Monaco, vous ne rêvez pas. Il n'y a pas de règle. On va partir en deux de front. Ici avec Max Verstappen. Laisse-moi la place. Oh putain de merde. Dépassé sur Verstappen. Parfait. Oh, on a pris le meilleur secteur 2 en plus. Bon secteur 1. Alors est-ce qu'on partirait pas prendre le meilleur tour? On est passé sur les 5 secondes du pilote devant. Est-ce que ça passe ou est-ce que c'est difficile? On est le meilleur tour. Let's go. Une 6.3. Oh, le retour que je me prends de force, les gars. Je suis en train de travailler mes bras d'une manière. Vous vous rendez même pas compte de la puissance. Attention, ladies and gentlemen. On parle, je suis en train de maîtriser de plus en plus la course, les gars. C'est une folie, hein. Les pneumatiques, ils suivent comment, du coup, suite à ça? On est à combien de mesures de pneumatiques? On est à 22%. Et on est plus qu'à combien du pilote devant? On est à 3 secondes 2. On est en train de le rattraper d'une vitesse assez intéressante. On est vraiment en train de les rattraper. Regardez devant, il y a les deux pilotes. On est en train de clairement aller chercher même le podium, là, à l'heure actuelle où on en est. En fait, c'est vraiment de la course où tu freines quasiment pas, hein. T'appuies très rarement sur le point de freinage, mis à part ici ou à quelques endroits. On doit rentrer au stand, pardon, au tour numéro 9. On est au tour numéro 7. À l'heure actuelle, alors est-ce qu'on tenterait pas un undercut justement? Est-ce qu'on irait pas s'arrêter un tour avant pour essayer de ressortir juste devant le pilote Mercedes? Et Russell il prend le mur. Russell il est vraiment dans une autre jouabilité. On y va peut-être pour George Russell ici. Il va falloir essayer d'aller chercher George Russell, le pilote Mercedes. Tout à l'heure on a tenté l'extérieur par la droite. On va essayer de le doubler par la gauche cette fois-ci. Vous savez quoi? Si on va là, genre. Oh merde. Oh putain de merde. On a juste perdu du temps. On a juste perdu du temps. Et vous savez quoi? Je vais m'arrêter au stand. On va tenter un undercut. On tente un undercut pour ressortir devant George Russell et d'aller chercher le podium par la suite. Hop 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 hop. Go 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 go. Non. Pourquoi? Oh la haine. J'étais bien pourtant. Oh, notre tour il était pas ouf, hein. Le tour était enfin l'arrêt au stand, pardon, il était pas ouf. Il faut pas sortir avec quelqu'un là. Si on sort avec quelqu'un, il va nous embêter. Oh putain, il y a l'Alpine. C'est bon, il est un petit peu loin. Oh, il nous donne le DRS. Let's go, on a le DRS. Du coup là, on est en medium 9. Alors, je sais pas si vraiment il va avoir une grosse différence vu qu'on est en no rules, mais ça peut être intéressant à observer, voir si effectivement il y a un intérêt ou pas de faire un undercut ici même. Pierre Gasly, tiens mon petit pote. Gasly qui prend les murs. Gasly vraiment en full no rules. Même à des endroits qui sont même pas plus intéressants que ça, je pense. On y va sur Pierrot. On vient récupérer du coup la P11. Et ça commence à boxe pour les leaders. Attention, si l'undercut peut passer, ça serait vraiment pas mal. Gasly, attendez, regardez le rétro. Gasly. Merde. Oh, j'ai buté Gasly, je crois. Enfin, j'ai pas buté, mais j'ai bloqué. Putain, j'ai grave la haine. L'undercut, il va pas passer. Non. Il y a tout le monde qui s'arrête au stand, mais du coup, à cause de mon accident, mon undercut va complètement flop. L'undercut ne va absolument pas fonctionner. J'ai grave la haine. Je suis tellement dégoûté. L'undercut était une bonne solution. Et même Perez a failli repasser devant nous. Bon, ça va, on garde Perez. Objectif, du coup, les gars, ça va être d'aller chercher éventuellement un podium. Il reste moins de 10 tours déjà. Et on est 7ème. Attendez, mais l'undercut, il est hyper puissant parce que regardez Hamilton qui était en tête. C'est George Russell qui a pris la première. Ah non, mais George Russell a pas dû s'arrêter au stand, je pense. Norris l'a beaucoup rattrapé quand même. L'undercut a l'air vraiment vraiment puissant finalement, les amis. Et on va doubler du coup Verstappen qu'on avait échoué juste avant. Ok, c'est passé, c'était pas de la meilleure manière, mais au moins c'est passé. On est 5ème, faut qu'on aille chercher le podium impérativement. Oh putain, un Verstappen qui m'attaque sur l'intérieur. J'ai deux Red Bull juste derrière moi, c'est... La pression elle est monstre, les gars. Effectivement, c'est bien ça, George Russell n'avait pas box parce que George Russell vient de s'arrêter au stand. Et Charles Leclerc vient de voler mon meilleur tour. Oh non, c'est moi, je suis con. Oh le débile. J'ai juste eu un petit retard sur l'affichage au-dessus. Une 6.3, les gars, le meilleur tour. Oh, Russell, il est là. Mais l'undercut, il a grave marché de ouf. Je m'étais même pas rendu compte. Mais du coup, George Russell, on est passé 4ème. On est 4ème. Oh, les gars, il y a un monde, on peut le faire. Je vous le jure, les gars. Le podium, on peut le faire. Et même peut-être la victoire. Putain, je suis face, les gars. Je commence à être bien là. Je commence à très très bien sortir la voiture, je crois. Petite indication, les IA, je les ai mis à 110%. Genre, je l'ai vraiment mis au niveau max du jeu. Parce que je me suis dit, eux, ok, ils vont prendre des cuts et tout, comme moi. Mais sauf que, il y a quand même le niveau de difficulté sur les virages où il y a pas besoin de cuts. Et du coup, je l'ai mis au niveau max. Comme ça, au moins, on est vraiment maximum de la difficulté. Putain, les gars, je suis en train de me dire que là, il reste 6 tours. Et pour aller chercher la première place, même s'il est pas très loin, ça me semble très, 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 très compliqué. J'essaye. Oh, regardez, on est en train de rattraper Carlos Sainz, mais ça a l'air d'être très compliqué. Après, on a peut-être une chance, c'est si vous regardez la map qui est juste au-dessus de moi à droite là, la Mercedes, elle est bloquée derrière Logan Sargeant qui est 20ème. Donc, on a peut-être une chance, c'est qu'ils perdent un petit peu de temps. Ça me tue, je suis vraiment en train de tryhard ma vie sur une course qui est complètement what the fuck. Mais je vous jure, c'est
c'est super dur parce qu'il faut se concentrer de zinzin pour réussir à les rattraper et pour pour pas commettre la moindre erreur comme j'en ai fait déjà tout à l'heure. On est en train de rattraper, les gars. On est en train littéralement de rattraper. Et en plus, je viens de bénéficier du DRS. Alors je ne sais pas si ça va être d'une grande aide. Et le DRS est autorisé. Je peux utiliser maintenant. Let's go. Ils sont au bout de la ligne droite. On était à 7-8 secondes tout à l'heure. Nous sommes plus qu'à 4-5 secondes, je pense. Bon, les gars, ça va être maintenant, je pense, pour aller chercher Carlos Sainz. Il va falloir tenter une attaque. Tout à l'heure, on sait qu'on s'était loupé à cet endroit-là. On va choisir le côté droite. Ok, referme un peu la porte. J'y vais sans freiner. Oh putain, non, il était avant. Il était avant Carlos Sainz. J'ai vraiment l'impression qu'il n'y a qu'un seul endroit où on peut réellement doubler facilement parce que le reste, ça m'a l'air un petit peu compliqué. À moins que là. À moins que. Oh, Nico Hülkenberg hors course. Alors, problème moteur pour Nico Hülkenberg, visiblement. Regardez devant. Il est venu abandonner tout seul comme un grand devant ici, Hülkenberg. No safety car, pas de safety car à 4 tours de la fin. Les commissaires ont décidé de pas en mettre. J'ai pas le choix. Il faut y aller sur mon mate pour venir prendre la troisième place ici même. Qui me laisse la place. Oh là là, le 2 front, allez. Oh, il est à l'envers! C'est fini pour Sainz! C'est fini pour Sainz! On est allé en deux de fruits, malheureusement! C'est pas passé de son côté, il est en train de. Oh, wesh! Oh, l'assassin! Oh, l'assassin, il est venu complètement se mettre au travers de la piste de la Red Bull! Le DRS qui est autorisé et on va arriver dans l'avant-dernier tour. Il reste deux tours dans ce Grand Prix. Est-ce que le Last to First contre les IA au niveau maximum sans règle? Donc, c'est-à-dire que totalement droit de cut va passer la réponse dans seulement deux tours. Il va falloir aller chercher Norris dans ce tour et mettre directement la pression à Lewis Hamilton. Oh, peut-être là! Oh, peut-être là! Oh, peut-être là! Sur Norris, on vient prendre la deuxième place directement. J'ai dû prendre le virage en gauche parce que sinon j'étais mort. Mais du coup on passe et Hamilton est juste là. Hamilton sous la seconde. Et on entame the last lap. Dernier tour, c'est parti. C'est peut-être maintenant pour aller chercher Lewis Hamilton dans le dernier tour. Là derrière la ligne droite, il faut pas louper l'accélération, pas louper le DRS, on est loin d'Hamilton. On est très loin. Oh, putain, ça est dur. Oh, ça va être terriblement dur. Il va falloir tenter un truc pour pas louper Hamilton. Oh, le dive! Le dive sur Lewis Hamilton dans le dernier virage du dernier tour! L'avant-dernier virage! Et mesdames et messieurs, le Last of Us qui passe! Oh, la dinguerie! Oh, le dive des zinzins! Regardez le dive dans le dernier tour! Regardez! Oh là 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 là! En vrai, c'est un dive à la Verstappen, mais c'est passé! Incroyable! En tout cas, les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les likes et dans les commentaires si c'est le cas. A très vite pour une prochaine vidéo. Je vous rappelle tous les jours en live sur Twitch. Ciao!